Donc les exemples d'activités aussi que je fais en graphisme, donc avec les grands. Donc on prend une ardoise. Et moi, ce que j'ai pas l'habitude de faire, c'est de tracer des traits. Comme ça. Le plus droit possible. Et ensuite, pour retravailler le tracé de certaines lettres, eh j'essaye de bien rester entre les bandes. Donc, dans une bande ici, voilà. Par exemple, les boucles, je touche la ligne du haut, je descends jusqu'en haut, je touche la ligne du haut et je descends. Et je vais doucement, vous voyez, je touche bien le haut et je descends. Hop, je touche le bord et je descends. Le fait d'arriver au bord de l'ardoise permet à l'enfant d'être bloqué et de devoir tourner. Voilà. Vous faites la même chose ici entre les deux lignes. Hop, je touche la ligne du haut. Hop, et je descends. Voilà. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois avec votre enfant en remplissant les bandes. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi avec d'autres signes graphiques, par exemple les points. On remonte bien sur le même trait. Hop, on va doucement. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire des bandes plus petites, hein. Donc, par exemple, l'idée c'est qu'ils écrivent de plus en plus petit pour après passer sur le fichier. Donc hop, faire des bandes plus petites pour les bandes les plus droites possibles, puis après hop. Voilà, comme ça. Vous voyez?